Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est The tarte au citron meringué. Cette recette est pour 6 personnes. Pour la pâte sablée, il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, 70 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et une pincée de sel. Pour la crème au citron, il nous faut 4 citrons, 150 g de sucre, 3 œufs et une cuillère à soupe de maïzena. Pour la meringue, comptez 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre et une demi-cuillère à café de levure chimique. Dans cette recette de tarte, nous allons tout faire maison. La pâte, le lemon curd et même la meringue. Car, aie confiance, nous allons y arriver. Première étape, on va commencer par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre et l'eau. On va maintenant s'occuper de la farine et du beurre qu'on va mettre directement sur le plan de travail. J'ajoute une pincée de sel et le beurre coupé en dés. L'idée, c'est d'obtenir un sable grossier comme celui-ci, au centre duquel on va pouvoir intégrer les éléments liquides. Voilà, donc là, on fraise bien la pâte, c'est-à-dire qu'on l'écrase bien sur le plan de travail. La pâte est prête. On va pouvoir l'étaler dans un moule, mais auparavant, on va faire préchauffer le four à 180 degrés. Je vais étaler la pâte directement dans le moule avec les paumes de mes mains. Je pique le fond. Et pour la cuisson dite à blanc, c'est-à-dire qu'on va faire cuire uniquement la pâte, on va poser dessus un papier sulfurisé et quelque chose qui va faire office de poids. Donc ça peut être des amandes qu'on veut faire torréfier ou alors comme moi des haricots. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Je vais commencer par récupérer le zeste fin de 2 des citrons. Donc pour ça, je prends des citrons bio et je les lave soigneusement. Je zeste finement 2 citrons. Je fais bien attention, je ne zeste que la partie supérieure, le zeste. La partie blanche qui est là, le ziste, elle est très amère. Donc on l'évite soigneusement. Je presse maintenant les 4 citrons pour récupérer le jus. Je verse le jus de citron dans la casserole avec les zestes. Je vais maintenant ajouter le sucre et la maïzena. Pour que la maïzena soit plus facile à ajouter, je vais la mélanger d'abord au sucre. Et alors, très important, la maïzena, c'est toujours dans un liquide froid. Avant de commencer à mettre à chauffer, on va tout de suite préparer les œufs pour qu'ils soient prêts. Donc on va simplement les casser et les battre légèrement. Je mets la casserole avec le jus de citron, la maïzena et le sucre sur feu doux et je me munis d'un fouet. Et on remue constamment pour la simple et très bonne raison qu'on a mis de la maïzena et que ça va faire épaissir le mélange lorsque ça va chauffer. Allez, j'ajoute les œufs doucement en remuant constamment. Et là, je mets sur feu plus fort. Dès qu'elle a la consistance désirée, on la débarrasse dans un saladier. En refroidissant, elle va épaissir. Lorsque ma pâte sort du four, je la laisse refroidir environ 10 minutes et ensuite je peux verser la crème de citron encore chaude dessus. Mais je peux aussi préparer les deux éléments à l'avance. Donc là, par exemple, la crème de citron peut être préparée la veille et le fond de tarte cuit le matin. Ça marche aussi. Allez, on va étaler cette jolie petite chose. Qui dit tarte au citron meringuée, dit meringue. C'est la dernière étape de notre recette. Je mets les blancs d'œufs dans un saladier, une pincée de sel. Et avant toute chose, je prépare mon mélange de sucre et de levure. Quand il commence à être ferme, c'est le moment d'ajouter le sucre. La meringue est prête. On va pouvoir l'étaler sur le fond de tarte. Je verse la meringue sur la crème de citron et je lisse à la cuillère. On va maintenant remettre au four à peu près 120 degrés jusqu'à ce que la meringue dore. On compte à peu près 10 minutes. Pour une autre recette de tarte entièrement faite maison, je te conseille la tarte aux fraises. Et si tu adores le citron, je te conseille la mousse au citron. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Mais t'es sûre qu'il y avait la bonne quantité de farine là? Bah, je sais pas, oui. Il n'y avait pas plutôt la moitié? Ouais, c'est possible. Non, parce qu'en fait, D'accord, bon bah, on recommence. Désolée.